Hello, alors on se retrouve pour, j'espère, terminer cette toile. J'en ai marre. J'en ai marre. Alors déjà de une, j'ai attrapé une grippe, je pense. En tout cas, je suis malade. Donc ce qui est trop, trop génial, hein. Ensuite, ouais, je suis vraiment malade. Mais ouais, j'essaie de me booster un peu parce que j'aimerais trop la terminer, cette toile. J'ai la toile indienne absolument terminée parce que Sandrine l'a terminée. Moi, elle est même pas à la moitié encore vu que bah, je suis malade et que bah, c'est les vacances, j'ai un peu moins pu m'en occuper. Mais on l'a faite vraiment à quelques jours près en même temps et je pense qu'elle va se faire hyper facilement. Donc voilà. En tout cas, j'ai vu à peu près le résultat et elle est vraiment sublime, cette toile. Je la trouve vraiment trop, trop jolie. J'ai hâte de l'avoir finie, moi aussi. Donc là, moi, je finis la couleur d'hier parce que depuis que moi, je vous ai quitté, du coup, je n'ai toujours pas continué. Donc voilà, ce matin, je me suis réveillée et j'étais déjà malade. Donc c'est un peu compliqué. Je suis sortie hier faire du DP. Et ouais, je suis rentrée. J'allais bien quand même. Là, ce matin, je me suis réveillée et boum. Boum, boum, boum. Bon, bah, du coup, voilà, je peux pas trop, trop me reposer non plus parce que bah, y a les enfants à la maison. Et quand il y a les enfants, je me dis, bah non, ça sert à rien de te reposer parce que clairement, tu vas te reposer et 2 secondes après, tu vas devoir te lever parce que monsieur ou madame va vouloir ça aussi. Et non, du coup, je préfère pas me reposer là maintenant. Et puis voilà. Et en plus, bah voilà, je suis quelqu'un qui a hyper peur de m'endormir. Même si je sais que voilà, si je m'endors, bon, ils diront rien, mais voilà, ils ont quand même 5 ans et 4 ans, mais je les trouve un peu trop petits pour être seuls. Enfin, pas vraiment seuls, mais voilà, pour que je dorme à côté d'eux, clairement non. Et que non. Et même si voilà, il n'y a pas les clés sur la porte ou tout est fermé. Ils ne peuvent rien toucher, mais voilà, c'est psychologique aussi. Et aussi même, enfin, je me sens pas du tout faire ça. Et même quand je suis vraiment PLS ou quoi, je le fais pas du tout. Et d'ailleurs, j'aime pas du tout dormir la journée. Et même quand ma choupette elle a la sieste et que l'après-midi j'ai besoin d'une sieste, que je me sens pas bien, je lutte au maximum. Bon, après, quand je peux plus lutter, ben tant pis, je me repose. Mais là, franchement, je peux pas me reposer, c'est pas possible. Mais bon, voilà, après, je me reposerai ce soir. Et puis voilà, on est reparti pour une journée de vacances. C'est le milieu de semaine. Je n'ai pas reçu de colis aujourd'hui, j'ai juste reçu des diamants. D'une abonnée d'ailleurs, je te dis bonjour et je te remercie pour tes diamants. Donc en fait, elle m'a envoyé la couleur qui me manquait. Donc en fait, je vais la toile d'1,80 m et j'ai l'impression que j'ai en train de défoncer ma chaise. Je vais le trucider ce chat. Ah ouais. Et donc, ah ouais, c'est toi. Je pensais que c'était pas celui-là. Donc, du coup, je disais, donc, ouais, ma toile d'1,80 m, il manquait deux couleurs. Et bon, y a une couleur que j'ai réussi à savoir, mais la deuxième, voilà. Pas moyen de trouver, même que j'ai cherché sur Etsy, je cherche un peu partout et pas moyen de trouver la couleur, la fameuse couleur où il y a cette DMC là, donc c'est la DMC 161. Et franchement, j'ai regardé partout, j'ai demandé à des gens et tout, et ils l'ont pas. Et donc, mon abonnée les avait, elle a regardé et elle m'en a envoyé.
Bon, on m'en a envoyé quand même un peu. Je vais pouvoir faire la couleur, mais je vais pas pouvoir la finir parce que tout simplement, il n'y a pas beaucoup de, enfin, il n'y a pas assez de diamants comparé à la toile. Il y a énormément de cette couleur-là. Et moi, bah voilà quoi, il n'y a pas assez, mais c'est déjà ça de prix, clairement. C'est déjà ça de prix, c'est trop trop bien d'en avoir déjà eu un peu. Et voilà. Bref, en tout cas. Il y a pareil, je recherche les diamants de la toile tigre. Je recherche les diamants de la toile tigre parce que moi j'ai pas eu les A. En fait, j'avais un problème avec les A. Donc en fait, je recherche des A de la toile tigre de chez Action parce que la mienne, du coup, il me manque des A. Donc en fait, je ne peux pas non plus la terminer. Elle est terminée, mais voilà, il me manque juste les A. Donc je suis un peu dégoûtée, mais bon, après voilà. Après, si j'ai dit si je les ai pas, bah, j'essaierai de faire comme je peux avec des autres, une autre couleur, même si ça ne fera pas hyper enfin, complet parce que du coup c'est pas la bonne couleur. Mais j'ai pas, il n'y a pas de DMC, donc je ne sais pas du tout quelle couleur c'est. Pareil, j'ai acheté un tigre là dans un haul qui va venir sur ma chaîne d'ici peu. Vous verrez, et ben je vais voir par rapport au diamant qui me reste de la toile. Mais voilà. En tout cas, bah non, même pas. Bah d'ailleurs, je peux pas vous la présenter parce que je l'ai pas sous la main. Non, je l'ai pas sous la main. Je l'aurais eu sous la main, je vous l'aurais présenté. Au pire, je vais la chercher, mais on verra après. Bon, ouais, c'est un petit papotage, hein. Ouais, on m'a offert une toile de chez Craft Sensation. Ce week-end, ouais, on est parti faire une balade avec les enfants. Et du coup, on m'a offert une toile parce que franchement, ça me fait hyper plaisir, même quand on m'offre une toile partielle. Ou... Franchement, moi, tu m'offres une toile d'action, je suis hyper contente. Hein, clairement, voilà. Mais ouais. Bon, bah, du coup, je pense avoir fini cette couleur. Ouais. Du coup, il faut que vraiment que je regarde. J'ai trop envie de me recommander des stylés. Ouais, je sais pas trop. Franchement, à voir. Mais... En tout cas, j'aimerais trop finir cette toile aujourd'hui. C'est vraiment un de mes objectifs. En plus, j'ai un problème là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas la même couleur de diamant dans les sachets. Quelqu'un fait une bêtise avec mes diamants. Bon, bref, je verrai après. Donc, les 20, c'est les J et les J, ils ont été faits hier. Les 16, c'est les W, ils ont été faits hier. Ça a été fait hier. Les 13, c'est les G. Et normalement, ils ont été faits aussi. Ouais, et puis les 8, ça a été les flèches. Et les flèches, normalement, ah, il en reste une. Donc ouais, il reste une flèche. Et ce matin, j'ai ma fille qui vient me dire, ah, le chat, il a renversé des diamants. J'en ai... Franchement, je crois pas que ce soit le chat. Parce que mon paquet était renversé. Bon, heureusement, c'est celui que j'ai dans les mains. Mais ouais. Pff, du coup, il va falloir que je remange tout. Enfin, là, du coup, j'ai enlevé mon bureau. Je l'ai... Non, je l'ai mis à la déchetterie parce qu'elle était un peu abîmée. Mais beaucoup, le truc, il a 15 ans. Enfin, bref. Daté de ma communion et c'était franchement, il était mort de chez mort le truc. Donc voilà, là j'ai décidé que du coup j'allais en racheter un, mais ça sera pour la nouvelle maison. Et voilà, ça approche, ça approche, ça approche. Du coup, voilà, voilou. J'ai trop trop hâte. Alors j'ai hâte de partir d'ici, mais j'ai pas hâte. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que déjà, je sais pas si ma dernière va aller dans la même école que mes deux grands. J'aimerais tellement. Franchement, j'aimerais tellement qu'elle aille dans la même école. Parce que c'est une école qui est vraiment super. Et voilà, moi qui a. Bah voilà, j'étais dans une école maternelle, j'ai déjà visité des écoles maternelles avant de les mettre dans cette école-là. Et c'est la meilleure, quoi, la meilleure école, quoi. Bon, j'arrive tout de suite. Je vais juste chercher le reste de mes diamants.
J'ai pas l'impression qu'il y a autant de couleurs. Je sais pas pourquoi il y a plein de couleurs la différence. Les carrés. Parce que c'est pas du tout les carrés, mais bon, ouais. On les prend quand même. Alors la toile. Où est-ce qu'elle est la toile? On va en faire. Mais c'est pas possible, ça cette armoire, il tient pas du tout. Il tient pas du tout. Alors là, elle n'est pas là non plus. Bon, ouais, je sais pas où elle est, elle a dû disparaître. Elle fait de la magie, elle a disparu la toile. Alors, où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle est. Voilà, là, c'est... Bon, j'ai trouvé la toile. Alors, je reviens. Je me mets hop, confortablement. J'ai récupéré tous mes diamants. Mais j'ai l'impression que c'est pas tout ça en fait. Donc, à voir. Les 29, c'est ceci. Ok. J'ai une migraine. Les 12, c'est les Y. Ok. Les 30, c'est les flèches. Ok. Les. Ça, ça n'a rien à voir ici. Les 24, c'est les E. Mais je crois que je les ai déjà fait. Les 17, c'est les E. C'est... je sais pas quoi. C'est franchement, c'est un symbole que je vois pas du tout en fait. Les 22, c'est les croix, il me semble. Ouais, les 22, c'est les croix. J'avoue qu'en fait, il y a des signes clairs et tout. Il y en a, on ne voit même pas. Bon, bref. En tout cas, de toute façon, j'ai dû faire un litige pour une toile tout à l'heure parce que clairement, j'ai reçu une toile hyper abîmée et ça m'a saoulée. Mais bon, bref, tant pis. Celui-là, 26. 26, c'est léger. Les 11, c'est ça. Les 7, c'est ça. Là, ok. Là, ça doit être les 27. Et les 27, c'est les M. Les 18, c'est quoi? C'est les points d'interrogation. D'ailleurs, je vais faire les points d'interrogation. Donc, du coup, je vais vous montrer un peu la toile. La toile, c'est donc celle-ci que j'ai eue. Et je regarderai, mais pas là tout de suite, mais il me semble que c'est cette couleur-là qui me manquait. Et en fait, j'ai été... les enfants sont partis faire du foot, en fait. Rien à voir, mais ils sont partis faire du foot. Et je crois que... En fait, je voulais faire la toile. Et je me suis dit, je crois que c'est celle-là, la couleur. Donc, je voulais faire un DP en même temps, mais bon, j'ai pas réussi. Donc voilà, c'est celle-ci que j'ai eue. Je crois qu'elle a 8 couleurs. Elle a 9 couleurs. Bon, j'espère que ça va donner bien. Comme j'ai dit dans ma vidéo, j'ai l'impression que cette marque-là, c'est une marque de... où en fait, il n'y a pas énormément de diamants. Il n'y a pas beaucoup de diamants dans cette marque-là. De couleurs de diamants, en fait. Oh, je suis éclatée. Franchement, je suis éclatée. J'espère vraiment que ça ira mieux parce que... Et ce soir, je vais aller la rechercher à la crèche. J'espère vraiment que ça va aller. C'est vraiment horrible d'avoir d'être malade comme ça. Enfin, bref. Et moi, dès que quelqu'un est malade à côté de moi, t'es sûr que le lendemain, je l'ai. Hein. C'est inévitable, clairement, inévitable. D'ailleurs... On se moque un peu de moi parce que moi, dans le magasin, je porte toujours un masque et tout. On me dit, mais cette fois-ci, t'as pas mis de masque. Ou quand je l'oublie ou quand je veux pas en mettre, je me dis, bon, allez, n'en mets pas. Bah, on me dit, ah bah tiens, t'as pas mis ton masque aujourd'hui. Même pour aller à l'école ou quoi, je mets un masque en fait. Enfin, et ouais, enfin... En fait, après, la pharmacienne à qui je parle... qui est une maman aussi de l'école de mes enfants. Et elle me dit, vu qu'on a porté le masque pendant 2 ans, notre corps, en fait, s'est pas habitué, il s'est habitué au masque. Et du coup, ça fait que, bah voilà, maintenant, on est plus malade, on se prend plus les microbes qu'avant. Bon, du coup, ouais, là, je suis en train de faire les points d'interrogation. Comme j'ai dit, en fait...
Dans la vidéo papotage d'hier, j'ai l'impression d'être de plus en plus lente. Parce qu'en fait, comme je suis malade et que je suis pas au top, moi j'ai l'impression d'être de plus en plus lente. Qu'est-ce qu'il y a? Après, je vais faire du jus d'orange, je vais me presser. Toutou. Et donc, ouais, au pire, voilà, de toute façon, j'ai rendez-vous chez le médecin, mais bon, c'est pas tout de suite, c'est dans quelques jours. Et ouais. Et du coup, j'essaye du coup de commander parfois des toiles bleues, parce qu'en fait, la couleur qui me manque, c'est du bleu. Et je me dis, bon, je vais commander des toiles bleues. Au pire des cas, je ferai la couleur que je veux pour ma toile d'1,80 m. Au final, ben non. Là, j'ai du 160 dans ce DP-là. Et j'ai regardé par rapport au diamant. J'ai l'impression que c'est la même couleur, mais en fait, non, il y a un ton qui change. Il y a un ton qui change quand même. C'est du bleu. Mais sinon, la solution, c'est vraiment, je ne trouve pas les diamants. Je vais mettre des AB. En fait, je vais mettre des AB et puis voilà. Au pire, je peux carrément changer la couleur. Hein. Je mets un autre bleu. Mais non, je vais acheter des AB au pire. Et puis voilà quoi. J'achète des AB bleus ou blancs. Et puis ça fera l'affaire. Du coup, bah, la toile n'a toujours pas avancé. Hein. Je l'ai commencé, mais vraiment très très peu. Mais en vrai, je sais pas si je vais la commencer, enfin la recontinuer jusqu'au déménagement. En fait, j'ai peur qu'au déménagement, elle s'abîme. Ou je perds des diamants alors que j'ai l'impression que déjà, j'en aurais pas assez. Donc, on verra. Je pense après le déménagement pour la faire. Mais c'est clair que ouais, quand t'as une toile, t'as toujours envie de la faire. C'est forcément ça. Bon, là, j'attaque la tête, enfin le visage. Sinon voilà. On est mercredi. Ouais. Et ouais. Du coup. J'ai regardé si on voyait pas ma fille. Quand elle passait. Parce que forcément, je ne montrerai pas mes enfants. Sur YouTube, je souhaite pas du tout les exposer. Je trouve que voilà, ils sont beaucoup trop petits. Après voilà, chacun son truc, mais moi en tout cas je ne suis pas du tout les exposer. Sinon, dehors, il fait un temps, mais pourri de chez pourri, clairement. Il pleut. Je suis sortie, il pleuvait. Je me suis dit, bon, bah, ce sera pas encore aujourd'hui quand on aura du soleil. Alors, hier, il n'y a pas fait un temps de. Alors, il a fait beau, mais il n'y a pas fait un temps de dingue quand même. J'ai l'impression que c'est pas qu'aujourd'hui je la finirai. Autant hier soir, j'ai franchement la toile. C'est avec les feux d'artifice là, tu vois. Je te l'ai. J'ai fait la plus grosse couleur, je sais pas quoi, 1 h 30 à peu près. Mais là, ouais, hier soir j'étais vraiment motivée à la faire la toile. Pas celle-ci, l'autre. Et là, je me dis, wow, mais ça fait 15 jours que je suis dessus, il va falloir terminer. Hein. Alors, c'est pas une course, hein, clairement pas, c'est juste qu'au bout d'un moment, voilà, on a. En plus, c'est une toute petite toile, donc clairement, je sais que d'habitude, elle aurait été finie en 2 jours, mais là, clairement, avec ma migraine, avec le fait que je sois malade, avec les enfants à la maison, les vacances, enfin bref, plein de choses, bah, du coup, voilà. Mmh.
Je vais aller nous faire du jus d'orange maison après. Je pense pas que ça va nous booster, mais bon. Ce midi, je vais faire une recette avec des courgettes. Pareil, légumes. Ça va être des légumes pour nous booster. Enfin, rebooster les enfants, ça va. Ouais. Ils ont juste un rhume. Tu fais quoi là? Et du coup, je vais aussi essayer de faire une vidéo sur mes boîtes de rangement, etc. Là d'ailleurs, j'en ai à donner. Hier, j'ai fait du tri. Sauf que comme j'ai dit, je peux pas me permettre de tout le temps payer les frais de port. Donc alors je fais le concours et tout et voilà faudrait je sais pas faudrait trouver une solution mais ouais j'ai des boîtes à donner du coup en fait la vidéo sur mes boîtes de rangement je l'avais déjà filmée. Sauf qu'elle me plaisait pas du tout. Ouais. Faudrait que je la refilme. Mais le problème, c'est que en même temps, je donne des boîtes. Donc, faudrait que. Voilà. Ouais, je sais pas comment je vais faire ça. En tout cas, elle va être sublime cette toile, j'en suis sûre. Elle va être vraiment sublime. Non, je fais du bruit avec ma bouche, je suis éclatée. Franchement, je suis éclatée. Je me frotte les yeux, ma choubette, c'est pareil, elle est dans le fauteuil, elle est éclatée la pauvre. Mais ouais, avec tout ce qui est. Oh, coup il fait beau, coup il fait pas beau. C'est vraiment une horreur. Mais bon. Bon, sinon. Mais! Je sais pas, je crois qu'il déménage. J'ai l'impression qu'il déménage à chaque fois. Je sais pas. Je crois qu'il déménage. Je sais pas où il va déménager, mais ouais, du coup, pardon. Alors, je suis pas du tout politique, clairement, pas du tout. Mais genre pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je déteste ça d'ailleurs. Maï! Maï! S'il te plaît. Oui, mais arrête avec les voitures. Oui, mais doucement. S'amuse en fait à renverser ses voitures dans un endroit pour les remettre dans un endroit. Je vois pas trop l'intérêt. Ouais, du coup, parlons politique. Je suis pas du tout politique, comme je l'ai dit, mais ça sent mauvais en fait. Ça sent mauvais. Ouais. Perso, je ne sais pas si je peux aller voter. En fait, moi, j'ai pas de carte électorale. Je souhaitais aller voter. Je suis pas du tout quelqu'un qui vote pas d'habitude. Je suis quelqu'un qui vote justement. Mais là, je sais pas en fait. Mes parents m'ont jamais donné ma carte électorale. Comme mes parents et moi, c'est pas compatible. Je sais pas. Apparemment, ils ont déménagé et tout, donc je sais pas du tout comment je peux faire. Sachant qu'en fait, j'ai contacté la mairie et en fait, ma mairie à moi, du coup, en fait, peut rien faire quoi. Et je ne peux même pas aller voter.
Donc j'aurais souhaité voter parce qu'en fait, un vote de plus, je pense que ça peut faire quelque chose quand même. Mais ouais. Alors je ne dirais pas pour qui j'aurais voté, etc. Clairement, je m'en fiche. Mais voilà. J'ai l'impression que voilà, tout le monde a peur ou je sais pas. Mais ouais, ça sent mauvais en fait. Bon après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas là pour juger, clairement, je jugerai pas. Mais j'ai peur, clairement, j'ai un peu peur. Mais voilà, j'ai envie de dire maintenant, de toute façon, on a vécu tellement de choses ces dernières années là avec le Covid et tout. Enfin, ça a été très très particulier et tout. Et même moi, en étant en dépression, enfin, je le sens encore plus, hein, parce que clairement, non, on voit que c'est plus pareil avec les gens, ou voilà quoi, on peut plus avoir de course d'actes comme avec les gens qu'on avait avant. Même si du coup, ça revient un peu, mais ouais, c'est un peu compliqué quand même. Bon, du coup, j'ai quand même terminé cette couleur. Bon, après, si on a encore, bah, tant pis, je la remettrai. Bon, j'ai terminé cette couleur qui était normalement à 18. C'est ok. Ouais. Je suis hyper lente. J'ai l'impression d'être à 2 à l'heure. Donc, du coup, j'ai pris un Doliprane, mais j'espère que ça va passer. J'espère que ça va passer. Alors, le 5, c'est l'été. Nous avons les flèches. En fait, je crois que j'ai perdu un sachet de diamant ou alors on m'a mélangé un sachet de diamant. Enfin bref, c'est pas grave. De toute façon, c'est du rose. Rose pour rose, c'est du rose. En tout cas, cela fait bientôt une demi-heure qu'on se parle, enfin que je vous parle. Moi, je pense que je vais vous laisser là. Je sais pas encore, je pense que je vais continuer un peu, je sais pas en fait, je pense que je vais aller me reposer parce que plus ça vient, plus c'est pire. Mais ouais, du coup je vais vous laisser là. Et puis je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Et du coup j'espère que vous allez toutes et toutes bien, que vous n'allez pas tomber malade comme moi. Et faites de bons épées. Et puis on se dit à bientôt.